Le sac est là-dedans. Et voilà. Je veux juste récupérer le sac. C'est tout. Je rapporte ça à Ross.
Je vais te remettre sur pied. Où est-ce qu'une jeune fille comme toi a appris à faire des bandages? J'ai pas mal bossé comme serveuse de nuit. Les bagarres, ça finit souvent comme ça. Hé, hey, tu l'as retrouvée. Bien joué. Alors, il va falloir la porter en haut de la tour radio, c'est ça? C'est le meilleur moyen de diffuser un signal puissant dans toutes les directions. Écoute, Lara, il faut qu'on envoie ce SOS. Mais je ne suis pas en état de grimper. J'avais peur que tu me dises un truc comme ça. Tu peux le faire, Lara. Après tout, tu es une Croft. Mais je ne suis pas ce genre de Croft. Bien sûr que si. Mais tu ne le sais pas encore. J'espère pour nous que tu as raison. Mais... sois prudente, Lara. Je peux y arriver.
personne là-haut. Ils auraient pas pu aller aussi loin. Tu crois qu'on devrait retourner au bunker? Non, on attend que ça se calme. Compris. Ouvrez l'œil. On ferait mieux de rentrer. Tu crois vraiment? On a le temps. Profitons-en pour nous détendre. Tous les coups, on va être le corps et l'épave. Ça leur sert à quoi, d'après toi? Quoi? La tour radio? Ouais. Elle fonctionne, pas vrai? Sûrement. On a une équipe d'hommes qui la garde loin. Et le père Mathias veut que personne s'en approche. Tu crois qu'il arrive à joindre l'extérieur? Pourquoi tu crois que personne ne s'en est jamais sorti? Qu'est-ce que tu veux dire? Mathias sait exactement quand un nouveau bateau arrive. On a toujours largement le temps de se préparer. Alors tu veux dire qu'il... utilise cette tour pour attirer les bateaux? Exactement. Mais pourquoi? Je crois qu'il essaie de la trouver. La clé. La clé? Tu crois vraiment à cette histoire? Je sais pas. Bon, écoute, on devrait pas parler de ça. On ferait mieux de se reposer. Ouais, t'as sûrement raison. J'ai parlé à plusieurs habitants de l'île. On m'avait formellement interdit de quitter le palais, mais il en fallait plus pour m'arrêter. Mon objectif est clair, je dois découvrir la vérité. Mais les histoires que je découvre dépassent l'entendement. Des rumeurs affirment que la reine serait en communion avec le monde des esprits, qu'elle commanderait le soleil et la pluie, et que les terres ne seraient fertiles que par sa volonté. Ce sont sûrement des inepties, mais d'où viennent ces rumeurs? Est-ce ainsi qu'elle contrôle son peuple? En usant de superstitions primitives? Lorsqu'ils parlent de leur reine, je vois du respect dans leur regard, mais aussi de la peur. Le peuple est traité avec justice, taxé raisonnablement et protégé par les gardes tempêtes. Je comprends qu'ils la vénèrent à ce point. Certains voient en leur reine une véritable divinité. Semer le mécontentement au sein de la population risque de s'avérer plus difficile que prévu.
une sorte de mortier, son pilon. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes.